Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment, ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On sait l'essentiel, on y peut rien, tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre là aussi, c'est pas bien parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent le tableau en haut, mais eux ils sont en bas. Donc ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bancs pour bien écrire aussi, bien regarder au tableau. C'est pas le collège qui est logé à bonne enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bancs. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madibou, les enfants qui viennent de passer par là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la soupçonne. Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi, en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Et même quand la salle est animée, le souci...